Bonsoir à tous, c'est un Yes Weekend exceptionnel que l'on vous propose aujourd'hui sur Calédonia avec un invité exceptionnel, Gabilou, mesdames, messieurs, et sa femme, Moeata, si je l'ai bien prononcé. Installez-vous confortablement, voilà ce qui vous attend. Jingle. Gabilou est de retour au pays pour un concert exceptionnel en juillet prochain. Retour sur les moments forts de sa carrière, chant et danse avec Moeata, sa moitié dans la vie et sur scène. Ça va être chaud. Anouméa, Chloé Yentao sera en direct pour nous proposer un nouveau « J'ai testé pour vous ». De quoi va-t-il s'agir, Chloé ? Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Alors cette semaine, j'ai participé pour vous à un atelier pour confectionner un collier de fleurs parfumées de Wallis qu'on appelle les Kahoa Kakala. Et vous saurez tout dans quelques instants. Papa, et tu me le rediras ça aussi. Et bien sûr, Stéphanie Marlier est avec moi pour les perles du web et les idées sorties, Steph. C'est ça, bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous allons danser avec Gabilou et Moeata. Et dans ma chronique « Les perles du web », vous allez voir que la danse, ce sport, pas comme les autres, qui est bon pour le moral, est vraiment accessible à tous. Super, merci Steph. Et quoi de mieux pour nous mettre dans l'ambiance que commencer par un live. Gabilou, c'est avec une grande émotion que nous vous laissons la scène de Yes Weekend. On va vous apporter tout de suite les micros. Merci Jonas pour ton aide. Merci Jonas. C'est parti. J'ai joué sur cette plage, là où les rires de mon enfance se sont imprégnés de ton histoire. Belle du Pacifique, on t'appelle Calédonie. Ensemble aujourd'hui et pour toute la vie. J'ai joué sur cette plage, là où les rires de mon enfant se sont imprégnés de ton histoire. Belle terre du Pacifique, on t'appelle Calédonie. Ensemble aujourd'hui et pour toute la vie. Le parfum du niaouli, les frôles nuits du Tivoli, la parade d'amour du cadeau, effaré aux accords du pino, point de Calédonie, les yeux levés vers le ciel, j'ai fait de toi mon essentiel, la source de ma vie. Là où les rires de mon enfance se sont imprégnés de ton histoire. Belle terre du Pacifique, on t'appelle Calédonie. Ensemble aujourd'hui et pour toute la vie. Le parfum du niaouli,
les frôles du Tivoli. La parade d'amour du Cadou est parée aux accords du Pilou. Manuel Calédoni, les yeux levés vers le ciel, j'ai fait de toi mon essentiel, la source de ma vie. Le parfum du Niaouli, les frôles nuits du Tivoli, la parade d'amour du Cagou est parée aux accords du Filou. Manuel Calédoni, les yeux levés vers le ciel, j'ai fait de toi mon essentiel, la source de ma vie. J'ai fait de toi mon essentiel, la source de ma vie. Quel bonheur sur ce plateau. Installez-vous autour de cette table. Gabilou, merci. On peut poser les micros. Vous avez votre micro-cravate maintenant. Ah, d'accord. Vous avez une longue carrière, Gabilou. Vous êtes dans le cœur des Calédoniens. On l'a vu ici, hein, tout le monde connaît toutes vos chansons par cœur. Juste, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Eh bien, je voulais d'abord saluer toute la Calédonie et envoyer notre amour, l'amour qu'on amène des îles, de Tahiti. Pour les Calédoniens, en général, la chanson qu'on vient d'entendre, c'est écrit pour la Calédonie. Vous allez comprendre quand vous allez l'entendre un peu plus souvent. Et donc, elle sera un peu la chanson fétiche de la soirée que nous organisons le 6 juillet à l'Arène du Sud. Donc, carrière, c'est 55 ans de métier. Mon histoire est longue. Je ne vais pas tout dire, mais j'ai eu des moments très forts dans ma vie. Je me rappelle la première fois que je suis venu en Calédonie en 68, au Tahiti Cabaret, qui était à la baie des Citrons. Ça n'existe plus. C'est Gilberton qui m'avait invité. Et aujourd'hui, ben, je suis là, j'ai fait l'Eurovision, j'ai fait, il y a deux ans, j'ai fait l'Olympia. On va en reparler. Hein. Et voilà. Et donc, carrière, je ne sais pas quoi dire. Il y a tellement de choses que j'ai faites dans ma carrière. C'est pour remercier les Calédoniens que vous faites ce concert aujourd'hui. Pas que, on le sait, mais il y a aussi ça. Eh bien, ce concert est un peu spécial. La dernière fois, j'ai fait l'Olympia tout seul avec les danseuses de Moyata. Cette fois-ci, je vais amener des artistes du Pacifique, des poids lourds. Quand tu vois Edou, qui est un poids lourd de la chanson calédonienne. Maintenant, nous avons Goulan, qui est un peu la coqueluche d'aujourd'hui, de The Voice. Richie, qui a fait aussi The Voice. Et Claudia Austin, que j'ai repris parce que c'est avec elle, normalement, que je fais le duo de la chanson qu'on vient d'entendre. Mais elle est professeure de japonais en ville, elle ne peut pas sortir. Ah. Donc, sur l'affiche, il y aura également Rocky. C'est un gars qui imite merveilleusement bien Elvis. On le voit sur l'affiche. On le voit sur l'affiche-là. Et à côté, il y a Tapu et Grass qui vont faire un duo, exceptionnel qui s'appelle Close Your Eyes. Et ce duo, il est en train de faire le tour du monde. Et évidemment, il y a l'acteur. L'acteur principal, c'est moi. Ils vont tous chanter 4 ou 5 chansons chacun, mais moi j'ai au moins une dizaine de chansons à faire. Donc, il y aura un programme vraiment spécial, parce que c'est la première fois que j'ai des Kanaks dans mon spectacle. Ça n'a pas été facile, j'ai essayé le mélange plusieurs des cultures. Fois, et je souhaite que ça arrive vraiment. Alors voilà, le 6 juillet à l'Arène du Sud, un gala exceptionnel. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a également 8 danseuses de l'école de danse de Moyata qui seront là, à ce gala, le 6 juillet, à l'Arène du Sud. J'allais y venir. Tu m'ôtes les questions de la bouche. Et c'est aussi l'objectif, destination, c'est écrit sur l'affiche, destination Olympia 2019. Ouais. Tu l'as déjà fait en 2017, tout seul. Ouais. Tu l'as rempli en 2017. Et cette fois, tu invites 4 poids lourds. Mais il n'y aura pas assez de place dans cette salle. Mais le but, c'est d'arriver à emmener ces artistes là-bas et que dans leur carnet d'adresse, ils ont l'Olympia. Dans leur carnet d'adresse, ils peuvent dire à tout le monde, j'ai fait l'Olympia.
Il n'a pas besoin de parler de moi à ce moment-là, tu vois. Mais tous les artistes vont venir, parce que sur cette affiche-là, il n'y a pas Teiva Elsé qui sera avec nous, Patrick Nauf qui sera avec nous, et Gabi Kater, c'est un Wallisien qui vit chez nous, qui chante merveilleusement bien. Sabrina. Il y a Sabrina, il ne faut pas oublier Sabrina. La musique est douce, la musique est belle. Ah non. Voilà, c'est un plateau extraordinaire que je fais pour l'Olympia. Le gala de l'Olympia, c'est le 19 janvier 2019. La salle est réservée, la publicité a commencé, les billets vont bientôt se vendre. Je pense qu'on va faire le plein et ce sera heureux pour tous ces artistes que j'invite. À l'Olympia. Voilà. Une chance exceptionnelle. Oui, je voulais faire appel aux Calédoniens. Là. En quelques guillemets, leur porte-parole. c'est l'occasion pour moi de dire à tous les Calédoniens, venez nous donner un coup de main. Nous avons besoin de vous. Le 6 juillet, à Rennes du Sud, à Païta. C'est ça. Exactement. Gabilou et Mouéata, c'est 32 ans de vie commune. Hein. Oui. Si je ne me trompe pas, je me suis arrêté là, mais c'est bon. On a dit que c'était le mariage de la danse et de la musique. L'un sans l'autre, est-ce que vous auriez eu les mêmes destinations, les mêmes carrières ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Le matin de notre mariage, le journaliste avait écrit, hein, je ne sais pas comment il a eu la nouvelle, parce qu'on a essayé de garder le mariage jusqu'au bout. Et là, le matin, en gros titre, c'était le mariage de la chanson et de la danse, Gabilou Mouéata. Et donc, ça fait 32 ans de vie commune, 32 ans de passion pour la danse, de passion pour la musique. Et d'amour. D'amour, évidemment, évidemment, puisque ça dure. Maintenant, quelle vie on aurait eu séparément, je ne sais pas. Mais Mouéata, elle a un talent exceptionnel et que je mets en honneur quand elle est là. Elle va amener des danseuses. J'invite tous ceux qui ont des écoles de danse de venir voir la technique de Mouéata au niveau de la danse. Voilà. En fait, en quelque sorte, son impresario, parce qu'elle n'a pas réussi à décrocher un mot. Non, mais ça va, il me connaît bien, donc il te vend bien. Oh oui, ça va. Alors oui, moi, comme vous l'avez dit, Gabilou, vous avez une grande carrière. Je voulais revenir sur votre participation à l'Eurovision. Donc, vous avez représenté la France lors de ce concours en 1981. Vous êtes d'ailleurs le seul chanteur tahitien à y avoir participé. Donc, vous avez interprété « Oumanaoum ». Donc, c'est une chanson qui a été écrite par les auteurs et compositeurs de la chanson « L'oiseau et l'enfant ». Donc, ce fut quand même une belle réussite pour vous. Vous êtes arrivé troisième, avec d'autant plus de mérite, car à cette période, vous avez dû faire face à un drame quand même familial. Donc je vous propose quand même qu'on écoute un extrait et puis on en parle après. D'accord. Cette boule qui brille était pleine de vie. Pleine de vie. Les gens me menaquaient, on était fiers. Il avait baptisé la terre. Et Gabilou nous dit en off hein, qu'il était malade quand il a chanté cette chanson. Le lendemain, j'avais plus de voix. Rapidement. Le lendemain, j'avais plus de voix. J'ai attrapé froid le jeudi. Je vais voir les docteurs là-bas, mais les Anglais, ils ne font pas de piqûre. Je voulais qu'on me fasse une piqûre de calcium pour arrêter. J'ai fait avec le lendemain de l'Eurovision. Je parlais. Je ne pouvais plus parler. Exceptionnel. Mais je trouve que j'ai eu une sacrée chance de pouvoir participer à l'Eurovision. Ouais. On se demande quand même si c'est toi, mais bon. Comment tu as fait pour participer à l'Eurovision ? Comment ça s'est passé ? J'habitais à Los Angeles avec mes trois premiers enfants. Et un jour, une dame qui s'appelle Paulette Vino, qui a beaucoup fait pour moi dans ma carrière, elle m'appelle de Paris. Elle était avec Jean-Paul Cara et Joe Grassi, qui avaient écrit le chant, maintenant. Jean-Paul, il prend le micro, le téléphone, il me dit « Tu veux faire l'Eurovision ?» Plaisanterie ou quoi hein? Ouais. Comment on fait ?» Il me dit « Voilà la chanson, écoute la chanson, on a pris la clé au téléphone. » Après, il m'a donné une clé un peu haute, j'ai dit « C'est trop. » Il m'a dit « Non, tu peux. » Je suis reparti en France un mois après pour enregistrer. On fait la chanson après, on présente la chanson au concours de la chanson française. Il y avait 2000 et quelques chansons. Mmh. On nous a retenus, on était 11. Ah, le jour de la finale, on a arrêté le pointage à la moitié des gens parce qu'ils appellent 1000 personnes la veille. On appelle ça le jugement à la fourchette.
Okay. Et donc, à 500 personnes, j'étais très en avance. Ah ouais. Et donc, j'ai bien représenté la France à l'Eurovision et j'en étais fier. Parce que ce n'était pas évident. Mais je suis quand même arrivé troisième. Et aujourd'hui, la France, je cherche. Il n'y a plus personne. Non. Dixième. Il n'y a plus de troisième place. C'est vrai, il n'y a plus de troisième. Ce concours à l'Eurovision, de là découle une longue carrière avec énormément de rencontres qui a inspiré un petit jeu à Stéphanie. Jingle tout de suite. Alors oui, Gabilou, comme l'a dit Adrien, vous avez rencontré de nombreux artistes donc, durant votre carrière. Et ce soir, dans notre quiz musical, vous allez entendre trois extraits musicaux et vous devrez nous donner le nom de l'interprète de chacun de ces extraits. Donc c'est parti, on commence, maestro, musique. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonne réponse. Charles Aznavour, donc il s'agit de La Bohème qui a été écrite en 1965. Alors vous pouvez nous raconter un peu votre rencontre avec Charles Aznavour? Alors, Aznavour, il avait un copain en tête qui s'appelait Eric. Eric me donne une lettre, il savait que je venais en France. Tu vas aller à l'Olympia, il était à l'Olympia à ce moment-là, tu lui donnes cette lettre. Il y avait deux gardes-corps à l'entrée, je ne pouvais pas rentrer. Je dis, monsieur, vous ne pouvez pas donner ça au monsieur là. Petit monsieur, il est tout petit. Il lit l'enveloppe, il lit la lettre et il est sorti de sa loge. J'étais assis avec Mme Paulette Viennot. Elle a dit, c'est vous qui voulez venir chanter en France? Mais qu'est-ce que vous voulez foutre ici, là? Dans cette grisaille de Paris? Vous avez un si beau pays à retourner chez vous. J'ai dit, non, je vais faire comme vous. Et plus tard, je me suis aperçu que son manager, celui de Mme Mouskouri et moi, on avait le même manager. C'est comme ça que j'ai chanté avec eux à l'Olympia. J'ai chanté à Londres, j'ai chanté partout avec Aznavour en France. C'est dingue. Voilà. C'était dingue. Incroyable cette rencontre. Une autre peut-être? On enchaîne. Laisse-moi t'aimer. Facile. Oui. Toute une nuit. Elle est magnifique cette chanson. Mike Brown. Oui, très bien. Donc c'est Laisse-moi t'aimer, sorti en 1970. Alors, vous l'avez rencontré comment? J'ai rencontré Mike Brown chez Barclay. On était un peu des concurrents parce qu'il y avait lui, il y avait Alexandre Winter. Oh Lady Mary, petite fille aux yeux bleus, ça c'est Alexandre Winter et moi. Alors ça faisait concurrence dans la même maison, mais Mike Brandt était déjà bien en avance. Ma chance à moi, c'est que j'avais déjà 10 ans de métier à Tahiti. Quand on faisait des galas, je cartonnais pas au début, mais je cartonnais vers la fin. Donc, quand je chantais Vahiria, tout ça, Mike Brandt, il a une voix magnifique. Oui, c'est d'ailleurs, je chante Laisse-moi t'aimer. Oui. J'ai chanté à l'Olympia cette chanson-là. Pour finir, écoutez. Le meilleur pour la fin. Vous les femmes, vous les chats, vos sourires nous attirent. C'est mon copain, ça. Moi, c'est toute mon enfance. Ah, mon père, le grand fan espagnol, Julio Iglesias, pardon, on ne l'a pas dit. Julio Iglesias. Voilà, alors, donc c'est une chanson qui est sortie en 1979. Alors, quand j'avais fait le concours de la chanson à Palma de Mallorca en Espagne, il était la vedette du spectacle. Nous, on était dans le concours, et moi, j'étais Julio. Manuela, tu vois, son premier tube, tu vois. Et on a sympathisé, on a dîné avec toute l'équipe à la fin, et je lui ai dit une chose à l'oreille, je lui ai dit, si tu veux faire des clips un jour, viens à Tahiti. Il m'a dit, je connais ton pays, pas totalement, mais je transite souvent pour aller chez sa femme en Philippines, elle avait une femme des Philippines. Il s'arrêtait chez nous. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connu. Il est venu et on a fait des clips en Polynésie avec lui. Ah ouais. Ouais. Super. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette chronique. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au second moment de bonheur ensemble. Vous allez nous interpréter Faka Tere Tere. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, avant de commencer? Faka Tere Tere, ça veut dire passe le vent, passe le vent. Na tokera ou tokera ou c'est le vent du nord, le vent de la pluie. C'est un enfant qui dort sur une plage, qui rêve de son pays, qui est les Tuamotu. Et donc, cette chanson est basée là-dessus. Et c'est incroyable, la carrière de cette chanson, de ce qu'elle a fait dans le monde. Ouais. Et ça continue. Et ça continue. Oui. Prenez vos micros. On va dans le deuxième studio de Calédonia pour danser un petit peu avec vous.
catene tene na toke laure toku piko hana inaru kie viru viru manga takumo e hana wakitea te marangia taku kahaia itie waseke o te rangi kiruna i toku kainga horo horo Catere tede na toke laue toku piko hana inaru kie viru viru manga takumo e hana wakite au te marangi da kukahai aitie wapeke o te rangi kiruna i toku kainga te piringa wapeke o te rangi kiruna i toku kainga horo horo tamariki kiruna Kirunga, 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 ite piringa. Bravo! Merci tous les deux, on retourne sur le plateau de Yes Weekend. Voilà, on est là. Merci pour ce tube international. On va continuer l'émission avec la chronique de Chloé qui est en direct de Nouméa. Jingle tout de suite. Chloé, tu m'entends ? Oui, je t'entends bien, Adrien. Des colliers de fleurs, t'es à fond dans le thème aujourd'hui, c'est super. Eh, t'as vu, je suis raccord, je vois que t'as aussi une très belle couronne de fleurs. C'est tout un art et effectivement, la confection de colliers de fleurs de Wallis, comme je l'ai testé cette semaine pour vous, c'est aussi tout un art. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais le musée de la Nouvelle-Calédonie organise très régulièrement des ateliers destinés donc aux enfants ou au grand public. Et puis parfois, donc, ce genre d'atelier ponctue également des journées thématiques qui permettent en fait de découvrir différentes cultures qui composent justement le patrimoine calédonien. Et j'ai donc participé à un atelier de confection de colliers de fleurs parfumées de Wallis, direction le musée de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Malia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se trouve au musée de la Nouvelle-Calédonie où tu proposes aujourd'hui un atelier créatif. Qu'est-ce qu'on va confectionner avec toi aujourd'hui ? Là, ici, aujourd'hui, on va
préparé des colliers de fleurs parfumées de Wallis, ce que l'on appelle les Kahoa Kakala. D'accord. Et c'est accessible à tout le monde, même si on n'a pas un talent particulier? C'est accessible à tous, c'est un atelier d'initiation. Super. Donc, qui est ouvert à tout le monde. On va s'initier à la préparation des colliers. Génial. Bon, bah, je m'installe avec tout le monde. C'est ça. Allez. Vous avez ce que l'on appelle les... c'est des fruits de Ilong Ilong. Ici, vous avez du pandanus, la peau d'ananas. Je n'ai pas le nom commun de cette fleur, mais on appelle en wallisien le kavapui. Donc voilà, c'est quelques fruits et fleurs que l'on va vous proposer aujourd'hui pour la confection de ces colliers. On va d'abord commencer par la préparation des fruits. Là, je plante mon couteau. Ouais. Et là, tu as jusqu'à le tirer. Voilà. Ok. T'as réussi? Voilà ma fleur! Et ça le fait quand même un peu. Donc voilà les colliers de fleurs. L'essentiel, c'est que ça sente bon. C'est ça l'essentiel. Même si c'est pas joli, mais l'essentiel, c'est que ça sente bon. Ça, c'est de la poudre de santal aussi que l'on va rajouter aussi dans les colliers pour... Donc on commence par les ananas. On en met un. Ok, j'enfile. C'est rigolo. Et ça, c'est ces colliers là, vous les portez à quelle occasion? Normalement tous les jours. C'est juste comme ça pour sentir bon quoi. Voilà. Et après les colliers, il y en a qui seront un peu plus compliqués. Ceux-là, on va les faire exceptionnellement pour les grandes fêtes. Ok. Et il y a une symbolique particulière dans les fruits ou les fleurs utilisées? Comment les fleurs de pandanus? Non, pas du tout. C'est juste des fruits qui sentent bon. D'accord. On les choisit parce qu'ils sentent bon et qu'ils sont jolis. C'est ça. Ok. Et c'est les femmes qui les portent en général? Tout le monde porte, mais non, c'est la femme qui confectionne pour l'homme. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, c'est les femmes. Ça, je l'ai vu chez pour le mari. Les femmes qui mariées l'avaient aussi. Je vais faire pour mon homme. Tout le monde porte. Super. Et Mathieu et Roussette. Donc on passe à la deuxième étape. Là, on va mettre les fleurs sur notre collier. Je les insère seulement. Là, comme ça. Donc elles ne sont jamais vraiment accrochées en fait. On les cale avec ce qui vient après. Comme ça. Voilà, j'ai fini. Il ne reste plus qu'à mettre ma liane. J'ai réalisé mon collier en fleurs de Wallis. Et j'ai plus qu'à le porter. Enfin non, je vais le donner à mon homme. Normalement, c'est ça, la tradition. La tradition, je vois que tu n'as pas le collier autour du cou, donc forcément, tu l'as donné à qui? Je ne te poserai pas la question. Je l'ai donné à mon homme, évidemment, et il était très content. Alors, comment on fait pour participer à ces ateliers? Hein, il existe encore. Il existe encore. Alors, pour participer à ces ateliers, c'est simple, vous pouvez vous inscrire donc, par téléphone ou bien par mail directement. Donc, toutes les infos, vous pouvez les retrouver donc, sur le site internet du musée de la Nouvelle-Calédonie. Une petite information sur les tarifs, c'est 600 francs pour les adultes et 300 francs pour les enfants.
N'oubliez pas également que les nuits du musée ne sont pas terminées, mais je vous l'annonce déjà, dès début juin, pendant tout le mois de juin, auront lieu les rendez-vous au jardin en Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura 6 dates, 9 lieux différents de Tibagi à Nouméa, qui offriront donc différentes animations gratuites, bien sûr, hein, pour cette manifestation qui est une manifestation annuelle, nationale, sur le thème des jardins. Et donc, ce sera l'occasion de retrouver justement Malia et Chanel qui ont animé cet atelier et qui proposeront d'autres ateliers de ce genre, comme par exemple la confection d'huile naturelle en fleurs de Tahiti, de Wallis et Futuna et de Uvea. Et puis de découvrir également les plantes du pays dans la cuisine, notamment les feuilles. Ok, bah ça promet, dis donc. Merci beaucoup, Chloé. Donc, rendez-vous sur le site de l'AMEP. Le site de l'AMEP, ça marche. Comme la semaine dernière, sur la page Facebook. Merci beaucoup, Chloé. Alors, du coup, on te retrouve la semaine prochaine. Tu nous proposes quoi ? La semaine prochaine, je vous propose de découvrir une activité physique très complète que je vais tester pour vous, qui est de plus en plus répandue. C'est le Pilates. Ok. En fait, une semaine sur deux, tu fais une activité physique, quoi. Voilà, j'essaie de varier les plaisirs. Merci beaucoup, Chloé. Et Nana, comme on dit en tahitien. Merci, Nana. Au retour en plateau, on vient d'entendre le live que vous avez fait juste avant Chloé, Faka Tere Tere. Alors, elle dit quoi cette chanson ? Elle parle de cet enfant qui dort sur une plage et on parle du Toero. Le Toero, c'est un vent, le vent du nord, c'est un vent qui amène la pluie. Et cet enfant est sur la plage et il dort et il rêve de la beauté de son pays et tout ça. Voilà. On voit les images derrière. Ça a été tourné ici. À Bora Bora. À Bora Bora. C'est un autre clip, ça. C'est pas le clip d'ici. Hein. Ah bah mince alors. Ah, ouais. On s'est trompé de clip. Ah, c'est pas le clip d'ici. Okay. C'est pas grave. Mais c'est un gars qui a fait ça, qui voulait faire un clip de Faka Tere Tere. D'accord. Et voilà, il a fait le tour du monde aussi ce clip. Mais celui qui a bien marché, c'est celui qu'on a fait en Calédonie. Ok, et du coup, oui, le clip qui a été fait en Calédonie, il a été tourné ici. Oui, oui. Ouais. D'abord à Robinson, ensuite à Thiaré, là où il y a la plage. Ensuite, on a mixé avec une dame qui était amateur. Ouais. Mais on a fait un super truc. Super. La Calédonie, c'est une histoire particulière. Mais on continue tout de suite. Steph va nous faire rigoler avec ses perles du web. Jingle. Je vous en parlais en début d'émission, tout le monde peut danser quel que soit votre âge, mais dans cette vidéo, vous allez découvrir que les animaux ont également le rythme dans la peau, notamment ce cacatoès qui est fan de Michael Jackson. Regardez. Eh ben, dis donc. Oui, et les cacatoès, ils sont réputés déjà pour être de très bons danseurs, mais aussi de très bons musiciens. Ça promet d'autres vidéos, je pense. C'est ça. Alors, pour finir, donc, c'est une petite perle tout droit sortie de nos archives qui devrait vous intéresser, Gabilou, parce qu'en fait, durant l'émission, notre émission Bienvenue dans la bande consacrée au sport, Adrien, ici présent, ainsi que son chroniqueur Prosper Poigou ont lancé un défi à leur invité, chanter en karaoké l'une de vos chansons, dont on a parlé tout à l'heure, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vaut le détour. Merci Steph. Je ne répéterai pas ce que Gabilou a dit. Il a dit que c'était un massacre. Merci Steph pour ces petites archives, ça fait extrêmement plaisir. Bon, Gabilou, tu as beaucoup parlé, alors du coup on va laisser parler ta femme.
Alors toi, c'est à 12 ans que tu as remporté le concours à Tahiti, Heiva, c'est ça? À 16 ans. À 16 ans. 16 ans. Ok, à 12 ans, il t'avait déjà repéré, c'est ça? Voilà. Ouais. À 12 ans, il m'a repéré, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Voilà, j'avais 16 ans quand j'ai gagné meilleure danseuse au Heiva. C'est l'année 1984. Et juste après, en 1985, je me suis mariée. Voilà. Ok. Et du coup, à 16 ans, tu gagnes ce concours, mais moi, j'ai entendu que déjà à 5 ans, tu donnais des cours à des adultes. Alors, à 5 ans, j'étais dirigeante d'un groupe parce que je suis une fille des îles. Je suis née à Papeete, mais j'ai grandi à Raiatea. Donc, à Raiatea, déjà, je commençais à diriger un groupe d'adultes au Heiva de Raiatea. Le groupe s'appelait Tamar Ifetuna. C'est vrai, j'avais 5 ans et je prenais plaisir. Je baignais déjà dans la danse puisque mes grands-parents, ma mère déjà, étaient dans la danse. D'ailleurs, toute la famille. Mm-hmm. C'est une histoire de famille pour tous les deux d'ailleurs. On voit qu'il y a beaucoup d'amour qui vous lie. Quel est votre secret tous les deux? L'amour et le beaucoup de partage. Pour moi, c'est ça. Ouais. Le secret. Je suis un homme jaloux. Et c'est comme ça que j'ai gardé ma femme. D'accord. On ne tourne pas autour d'elle. Oh non. Et tout le monde la connaît à Tahiti. On ne demandera pas plus de précision. Ce n'est pas grave. Et le secret pour garder la forme comme ça? Alors, je fais 3 fois les haltères par semaine. 1 heure par séance, 1h15, 1h30 des fois. Et je mange sainement. On a tout changé. À l'époque, il y avait 2 ou 3 paniers marchés sur la table à la maison. J'ai tout changé. Tout le monde suit notre régime. Et donc, ça fait un portefeuille pour tout le monde, parce qu'il y a du monde à la maison. Et donc, voilà, tout le monde, elle n'a pas besoin de faire des haltères. Elle est aux haltères tous les jours avec sa danse. Mais je suis étonné pourquoi elle ne prend pas du poids, parce que nous, moi je reviens de France, j'ai pris un peu de poids là, c'est difficile à perdre. Mais je ne suis pas malheureux, et donc voilà, c'est ça qui donne la forme. Okay. Les haltères dans la condition physique et la force dans le mental. On voit, tu es ému, hein, tu as revu les images. Oui, parce que je ne sais pas comment vous avez eu cette image, parce qu'on ne voit plus cette image, ça ne passe plus sur RFO. On a nos petits secrets. Oui, hein, parce que ça, c'est vraiment mes débuts, là. Ouais. C'était pour le soir pour que pour j'ai le gagné. Concours, exactement. Ouais. Allez, on n'a plus beaucoup de temps et on voudrait vous montrer de la danse tahitienne. Alors tout de suite, on va se retrouver sur le plateau on derrière. On y va. On va vous proposer 2 minutes de danse tahitienne. Mes collègues, Stéphanie, tu peux venir. Les collègues, je sais qu'il y a Océane là-bas qui est prête à venir. Allez, venez. Alors, avant de commencer et de laisser Gabilou chanter, est-ce que tu peux nous montrer 1 ou 2 pas de danse? Élise, viens avec nous. Enchantée, merci. Voilà. Alors, comment on fait? Comment on s'organise? Ce qu'on va faire, on va faire un des pas les plus simples qui s'appelle le tamao. Parce que en général, quand on apprend la danse, on part sur le tamao et le farapo. Le farapo veut dire touiller, hein, c'est mélanger. Voilà. Farapo, c'est faire un cercle avec le parti du bassin. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est un peu difficile le farapo, on va partir sur le tamao, qui est tape à droite, tape à gauche. Ah, c'est simple comme bonjour. Simple. Il faut simplement fléchir les jambes. Fléchir. Et lever légèrement les pieds et pousser sa hanche vers la droite et vers la gauche. Voilà. Quand on fait un tamao, il faut que les pieds bougent contrairement au farapo. D'accord. Là, c'est balancé, donc les pieds bougent. Parce que tu ne peux pas faire un tamao et le pied ne bouge pas. Ce n'est pas joli. Donc, quand on fait un tamao, voilà, on bouge légèrement le pied. Par contre, quand on fait un farapu, le roulé, là, le pied, il reste. Et là, tu te concentres que sur ton bassin pour faire un set. Ok, bon, voilà. C'est plus simple le premier. Exactement. Mais moi, je fais la danse des filles, là. Oui. Alors, les garçons, c'est le paouti. Ça s'appelle le ciseau. Ok. Donc, c'est les genoux qui sortent et qui rentrent. Voilà, tu imagines quand tu tailles ta haie. Voilà, ça c'est un paouti, d'accord? Ok. Voilà, et les femmes, on va faire un tamao. Après un tamao, vous avez un varou qui est le chiffre 8. Enfin 8. Voilà, le bassin part en avant. C'est ça. Ça c'est le chiffre 8, le varou. Voilà, c'est bon? Ok. Bah, c'est super!
Merci. Musique maestro. Et hop, 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 vous restez là. Vous restez là. On va... Maintenant, on va mettre en application tout ce que nous a appris Moué Atta. Et c'est parti. Musique pour la dernière chanson. Merci Gabilou d'être venu. Merci énormément à tous les deux. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. Faka lufi lufia, eha e, teia neira mate umera, ume 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 umera, tamahi anava ue kapae. Faka lufi lufia, eha e, teia neira mate umera, ume 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 umera, tamahi anava ue kapa, e ua ua a te tiare. Tona no ano a ya toa te tiare na feara ho ita uihere fakalu filufia e ha e te iene ira mate umera ume 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 umera tapahia na mau e kapa ume 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 umera tapahia na mau e kapa tararapa. Voilà. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Yes, we can. Yes, we can.